toujours brisé. Oh, si c'est chez tes lions, si je t'entends, de river. Tous les jours, je vends courage. Tous les jours, je vends courage. Tous les jours, je vends courage. Moi, j'ai un bassin béa. Tous les jours, je vends courage. Tous les jours, je vends courage. Tous les jours, je vends courage. Moi, j'ai un bassin béa. Non, déjà passé, même déjà oublié. Tout en injustice qu'est durée. Nous pépé avancé, qui genre 27 mai 67 périvé. Alors que tout ça te blesse, c'était respect et dignité. Laissez-y parler, laissez-y dire, ça y aller. En nous garder des yeux ouverts pour continuer l'idée. Tous les jours, faut courage, courage, les jours, faut courage. Tous les jours, faut courage, courage, on va se lever. Tous les jours, faut courage, tous les jours, faut courage. Tous les jours, faut courage, courage, on va se lever. Chemin tout le jardin. Et puis, temps fait temps,
Puis quand touché, j'adhère chez moi. Chez moi, c'est son et piquant. Wow. Et d'ailleurs, cette one-là, il vient de quel livre? Dis-nous comme je suis. Zécobel, alors Zécobel, ça veut dire tout ça, qui belle, belle, belle. Non, Zécobel, c'est des éclats, des éclaboussures, des fragments. Zécobel, c'est aussi Zobel. C'est un très vieux mot créole qui veut dire éclat, fragment, éclaboussure, morceau, fragment, etc. Mais montre-nous la première de couverture. Oui, ça vient, c'est le dernier ouvrage que j'ai publié, qui s'appelle Zécobel. Proverbe entend aujourd'hui, etc. Mais j'aurai l'occasion de revenir puisque je vais présenter le 28 janvier à la bibliothèque universitaire. Donne-moi, Daniel. Oui. Oui. Alors, tu vas le présenter. Déjà, je le dis, c'est le mardi 28 janvier à la bibliothèque universitaire. Donc, c'est Zécobel et proverbe entend jeudi. C'est poésie, tes nouvelles et proverbe en créole Martinique. Martinique, c'est bien ça. Ouais. Non, pas Martinique. Non, Martinique. Martinique ou Martinique. Simplement, c'est intéressant pour la rime. Tu es Martinique ou Martinique. Donc, Daniel Boukman, car Mathieu Théa est poète, il s'est un grand défenseur de langue et critique créole Martinique. Oui. Oui, non, simplement, c'est tout. Simplement, j'aurais l'occasion de venir parler de les ateliers lire et écrire le créole. Oui. C'est très important parce que, en fait, je me donne, comme d'autres se donnent, le devoir d'assistance à l'homme en danger de mort. Parce que faisons pas d'illusion, le créole n'a pas encore remporté totalement la victoire. Il y a encore beaucoup d'ennemis, beaucoup de faux amis, etc. Donc, l'atelier lire et écrire le créole, un numéro de téléphone, hein. Ça commence quand, Daniel? Eh bien, ça commencera dans le courant du mois de janvier. D'accord. Sur le campus de Chelcher. C'est mon téléphone pour avoir le maximum de renseignements. C'est le 0696-94-32-20. 94-32-20, c'est le téléphone. 0696-94-32-20 pour avoir le maximum de renseignements pour un atelier lire et écrire qui s'adresse aux créolophones, créolopales, natifs natal, mais aux créolophones d'action ou d'adoption. Et c'est un des derniers combats, peut-être, de défendre le créole en apprenant à lire et écrire. Pani Pombe, Pani Tchak, Moun Kapale, 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 même des Léga, des Balais, mais il est important aussi d'apprendre à matcher, de maquer, comme on dit en Guadeloupe. Les paroles sont bon, les écrits restent. Et bien voilà, la parole. Et d'ailleurs, je suis marquée sur mon Facebook. Les paroles s'envolent, mais les cris restent. C'est les cris, donc il faut aller crier dans la rue. Parce que les cris restent. Non, c'est pas pour ça. Je suis un petit peu poète, par exemple. Poétesse, vous voulez dire. Oui, poétesse à mes heures. Parce que poète après un jour, bien madame, c'est un poète, il aura plaisir. Mais je tenais à passer un petit message. Je voulais dire que.